31 mars et j'ai un petit colis Vinted à empaqueter parce que ma vidéo de closet clean out vient de sortir et du coup j'ai fait une petite vente Vinted. Il me reste je crois 14 articles sur mon Vinted, n'hésitez pas à regarder d'ailleurs. Et c'est une abonnée de YouTube, donc je me suis dit que j'allais filmer la petite préparation de commande avec vous. Et voilà, let's go, c'est parti. Salut les amis, je réalise que j'ai pas trop dit d'intro en vidéo, on est parti direct dans le vif du sujet. Du coup voilà, c'est pas grave, ça marche aussi comme ça. Comme vous avez vu, j'ai préparé une petite commande Vinted et là j'avais une petite commande sur mon site, une commande que de stickers et que des chats, donc très très mignon. Voilà, donc je prépare cette petite commande avec vous. C'est un peu désert en ce moment, je vais pas vous mentir, sur ma boutique en ligne. En même temps, j'ai pas proposé de nouveaux produits, mais comme il m'en reste déjà pas mal des anciens produits que j'ai proposés à peu près au mois de septembre, je me vois pas en refaire d'autres, etc. J'ai pas envie de faire du gâchis, etc. Donc voilà. Mais si vous avez des petits cadeaux à faire, n'hésitez pas à aller sur ma boutique. Il y a plein de promos permanentes en fait sur ma boutique, donc n'hésitez pas à regarder. Il y a de tout, des stickers, il reste même un tote bag, des cartes postales, des prints A4, des prints A5. Bref, il y a plein de choses, n'hésitez pas à regarder. Voilà, ça soutient la chaîne aussi et ma vie de manière générale, donc voilà, merci beaucoup. Thank you.
les amis, aujourd'hui on est jeudi 11 avril et j'ai un peu envie de passer la serpillière chez moi. Je ne l'ai jamais vraiment fait complètement parce que j'avais pas de serpillière et là ce matin je suis allée à Action acheter une serpillière. En fait j'en cherchais une lavable, vous voyez, avec une lavette qu'on peut détacher et qu'on peut mettre en machine et tout. Donc voilà, ça y est, j'en ai trouvé une pour pas cher. Donc là on va faire un gros ménage au niveau du sol et tout parce que franchement il y a des endroits où j'ai des taches et tout. Enfin voilà, je pense que ça fera du bien, ça va faire un petit coup de neuf. Et voilà, donc là j'ai pas mal de rangements à faire, donc voilà, on va faire ça ensemble et voilà, c'est parti. Voilà. Ouf. Ensuite, j'avais un peu de montage vidéo à faire, donc c'est ça que je vous ai filmé. J'essaye de prendre de l'avance en fait sur mes vidéos YouTube, donc ne vous étonnez pas si jamais, je sais pas, j'ai pas les mêmes lunettes parce que j'aime bien changer de lunettes, si jamais je n'ai pas vraiment la même couleur de cheveux au fur et à mesure des vidéos, c'est parce qu'en fait je prends beaucoup d'avance parce que cet été je vais être absente à plusieurs moments. Et du coup j'aimerais être tranquille cet été et ne plus penser aux vidéos YouTube et prendre de l'avance. Donc j'essaye d'en filmer plein. En plus j'ai eu plein d'idées de vidéos, donc j'en profite tant que j'ai les idées, je préfère les filmer. Là en plus de ça j'avais une semaine de vacances complète chez moi, donc j'en ai profité pour travailler en fait pour YouTube etc. Donc voilà, c'était pas forcément des vraies vacances du coup, mais la semaine d'après vous allez voir, je suis partie chez mes parents et c'était vraiment très cool, très reposant, donc voilà. En plus de ça, cet été, j'espère que je vais retravailler dans le centre aéré où j'ai fait déjà des ateliers deux fois, au début de l'été et peut-être à la fin de l'été. Donc c'est pour ça que j'aurai pas forcément le temps de tourner beaucoup de vidéos. En plus de ça, avec la chaleur, je pense que j'aurai plus de mal à filmer des vidéos de tenue, des choses comme ça. Donc j'essaie de prendre de l'avance pour être tranquille et pour pouvoir quand même vous proposer du contenu pendant toutes les vacances. Peut-être que je prendrai une semaine de repos parce qu'il y a aussi mon anniversaire. Mais voilà, en gros, j'essaye de prendre beaucoup d'avance. Voilà. Puis ce soir-là, le 11 avril, j'avais un concert de Francis of Delirium au pop-up du label à Paris, c'est vers Gare de Lyon. Donc voilà, je vous mets des petits extraits de concert juste après, c'est parti. We'll be right back.
Et puis voilà, changement de décor, changement de paysage. J'étais donc chez mes parents en Dordogne pendant une semaine. Et du coup, je vous mets plein de petits clips très reposants sur fond de musique des studios Ghibli revisités. Voilà, donc c'était vraiment une semaine reposante. On s'est quand même promené et tout, mais c'était quand même très calme. Il a fait un peu beau au début, puis après il faisait beau mais froid, donc voilà, on est un peu moins sortis longtemps. Mais les premiers jours, on a pu faire une petite randonnée, etc., dans la forêt avec ma maman, donc c'était cool. On a continué le puzzle Miffy, et puis on a même commencé un autre puzzle que ma maman avait déjà fait. Mais c'était un peu plus facile parce qu'en fait, on a mis le fond, en fait, il y a un poster en fond qui fait la même taille que le puzzle, et du coup, c'est plus facile pour faire le puzzle. Alors que le Miffy, il n'y avait pas de poster comme ça avec, donc voilà. Mais je suis très contente de cette semaine, ça m'a fait beaucoup de bien d'être dans la nature, de voir le chat de mes parents. J'ai pas fait trop d'allergies cette fois-ci, j'ai même pas eu besoin de prendre beaucoup de médicaments, donc je suis très contente parce que le printemps dernier, ça avait vraiment été infernal niveau allergies, j'étais vraiment hyper mal tout le long du séjour. Et là, franchement, ça allait, et comme je vous le dis, j'ai même pas pris mes médicaments de manière ultra régulière, j'ai pris vraiment au moment où je faisais des crises d'éternuement et ça calmait. Donc je suis super contente et soulagée parce que bah, des fois ça peut un peu noircir voilà, les vacances quoi, quand on passe son temps à éternuer, pleurer, et enfin pleurer à cause des allergies, quoi, les yeux qui brûlent, et puis d'avoir de l'eczéma partout. Bref, j'avais un peu d'urticaire et d'eczéma, mais franchement je trouve que c'est un petit peu moins pénible que éternuer en boucle et avoir les yeux qui me brûlent, quoi. Quelle bonne cachette! Incroyable! Incognito! Tiens, Yuki, tu veux sentir? Du coup, il y a beaucoup de plans du chat de mes parents. C'est une chatte qui s'appelle Yuki. Voilà, elle est très très mignonne. Elle est un peu sauvageonne par moments. C'est pas forcément le chat le plus câlin du monde, mais elle est très très chou et elle nous fait beaucoup rire. Voilà. J'ai fait une dédicace pour mes parents sur le livre que j'ai illustré, Max à la conquête de Mars. Si vous ne le saviez pas, j'ai illustré un livre pour enfants. Je vous mets dans le petit i en haut la vidéo qui parle de ce projet plus en détail. Voilà, n'hésitez pas à l'acheter, ça soutient mon travail. Bon, j'ai déjà été payée pour la mission, mais je touche des royalties sur ce livre. Donc à chaque vente, je touche 1%. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais mis bout à bout, ça fait un petit bonus voilà, que j'aurai une fois
par an. Donc voilà, merci à tous ceux qui l'ont déjà acheté. D'ailleurs, je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui l'ont acheté. Merci beaucoup, ça me soutient et ça me fait surtout extrêmement plaisir. Donc voilà, merci beaucoup, je suis très touchée. Madame, il faut rentrer. Il se fait tard. Pas de pâté pour vous si c'est comme ça. Pas de bonbons non plus. On dirait un hibou des fois un peu. Hein. Genre quand elle te regarde bien en face, on dirait un hibou. Ensuite, ce jour-là, Yuki avait eu une grosse frayeur parce qu'elle avait une grosse branche, un peu de ronce qui était coincée sur elle. Et elle a eu très très peur, du coup elle s'est cachée un petit moment sous la banquette là dans le salon. Donc la pauvre, elle avait très très peur je crois. Et puis bah, nous, pendant ce temps avec ma maman, on s'est fait des fondants, enfin des coulants au chocolat. Enfin c'est surtout elle qui l'a fait, moi j'ai pas fait grand chose, mais franchement c'était délicieux. Et Yuki, il faut savoir une chose, s'il y a de l'eau part à sa disposition, il faut qu'elle la goûte. Donc en fait, j'avais oublié de finir mon verre d'eau du midi. Donc quand on est revenu de la balade avec ma maman, Yuki était en train de boire mon verre d'eau. Donc je lui ai gardé, je lui ai laissé et je me suis pris un autre verre. Oh, il avance pas vite. C'est harceleur, ça n'en finit jamais. C'est dangereux, mais non. Et puis dernier jour, on est allé voir une petite expo d'artisans, créateurs, et le cadre était vraiment très très beau. Voilà quelques images. C'était vraiment très sympa. Ben voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Voilà, moi, j'adore faire des petits vlogs tranquilles. J'espère que vous aimez bien les regarder. N'hésitez pas à mettre un petit emoji chat en commentaire. Voilà, ça soutient la chaîne de manière gratuite et ça me fait extrêmement plaisir. Donc, merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de laisser un petit mot. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Et voilà, bye!